téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui va peut-être vous paraître assez extraordinaire. C'est surtout comment gagner de l'argent, comment s'enrichir assez facilement. Nous avons aujourd'hui une personne qui est un investisseur en crypto-monnaie, qui est entrepreneur et chef d'entreprise, de sa propre entreprise d'ailleurs, qui s'appelle Melka Service. Pour aujourd'hui, nous recevons Melka Tessa. Il s'est lancé dans un projet assez faramineux, quelque chose d'assez exceptionnel, Ponako Zwa Mbongo et Kokomape Nambongo en un temps Yamouké. Alors aujourd'hui, on s'est penché sur ça parce que mieux surtout les avocats Mbongo virtuels, Mbongo Pisotozo Monate, Minimin Tozanabo Bangi, Toutaki Naba Bindo, Toutaki Naba Maigot, Toutaki Naba Jeu du hasard, et dès que Moutassim Baka Mbongo te. Mais on a mis qu'il y a poto place aux amis, tu es bien que ma congolais mingi, tu vas africain encore plus, mais on a nous branché na wanate, à part quelques-uns, et c'est pour ça aujourd'hui, tu signes un expert, Aya Kusumabiso, pour que demain, Mokonabiso pe akokakoko manambong ebele, abendape disusunini baninga. Pour un geste patriotique, aujourd'hui dans Entre nous sur Comweb Télévision et sur Ingrid Kabongo TV, nous recevons Melka Tessa. Et l'émission, ça commence tout juste après. A tout de suite. Chose première, chose due, vous êtes dans Entre nous avec Melka Tessa. Bonjour. Bonjour, Melka. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on traite un sujet qui va être assez difficile, ou plutôt assez difficile à la compréhension, mais vous allez tenter de nous rendre assez facile, ou plutôt assez simple, les bitcoins, l'argent qui circule virtuellement. Et c'est le mot, peut-être pour notre communauté, comme je vous l'ai si bien expliqué, on nous dit que c'est un moyen qui peut nous permettre d'ambitionner surtout tout ça nini tout comme un bon et béni tout ce qui touche à l'argent et à ce sujet moko au yobi surtout n'a qu'à traiter pour permettre que le lot aux akina a le bio communal avec une valeur ajoutée. Et aujourd'hui Melka Tessa, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise et investisseur en crypto monnaie et loco tom sur les taux de la CT au permettre la population aux esotères à travers Comweb Télévision, chaque samedi à 20h, la rediffusion le mardi à 12h, et sur Ingrid Kabongo TV, vous allez pouvoir comprendre ce sujet que j'ai voulu traiter pour permettre à quelqu'un de se retrouver. La crypto-monnaie. Quelque chose qui fait peur à Batoiseau, par Komoana, bon, mais t'as la plus basée, mais la Komoné, qui nous dit que, t'as pas encore Madame Bongo, mais les absolus sont sensibles, mais on est surtout, et t'as une bonne. Qu'est-ce que c'est au final? Ok, merci beaucoup, Ingrid. En fait, crypto-monnaie, ça a une évolution en bon. Sautali, dans l'ancien temps, la temps d'avoir qu'on a besoin, ben, il y a des trocs, comme moi, il y a des changes. On a changé, on a n'allait pas, le PC, il y a PC au Kony, ainsi de suite. Après, évoluer dans la pièce d'or frappée. Après, comme il y a un billet. Ils ont évolué comme il y a presque monnaie virtuelle, déjà la carte bancaire. On a la carte bancaire, ils ont utilisé, on a évité, on a bon, mais ils ont utilisé. Après, il y a quatre évolutions là, comme il y a les leurs, la crypto-monnaie. Donc, cela ne veut pas dire que bah, moyen ou sous non. Jusqu'à présent, nous continuons à utiliser la bah, carte bancaire, la bah, bah, billet, la bisou, tout ça, mais ils ont moyen ou et qu'au bac sama, il y a moyen ou sous la vie. Il y a quatre évolutions. Batouni, le peuple congolais, tout le peuple africain, a souvent la difficulté, et en fait, ça a déjà confiance, si les leurs ont la Batouni sous, d'ailleurs, dans le bac à bon, t'es pas, Batouni, les leurs sous, si les leurs ont la Batouni, même d'utiliser encore la carte bleue. Ils préfèrent utiliser leurs pièces ou encore leurs billets pour acheter quelque chose. Aujourd'hui, on est capable d'évoluer encore plus même que la carte bleue et d'entrer dans de l'argent. Finalement, on a la recherche de ce mot, on s'est demandé, au-delà de la crypto-monnaie, tu as expliqué, c'est une monnaie, comme il l'a dit, décentralisée, peut-être pour ceux qui manient plus cette langue-là et qui, dans un terme de confiance, où tu vas comme Obama, comment tu vas essayer de faire avoir, d'enlever cette peur-là, Nakatia Batou, pour se lancer encore dans une nouvelle aventure. Pour nouveauté, les amis Nabobangi. Oui, en fait, nouveauté, c'est vrai. Et donc, nous, ça, c'est Kaibang, ça va. Et puis, nous, nous sommes à comprendre la nouveauté. Bon, Bissot, c'est ce que ça va, il y a Kindle. Oui, mais, et ça, en fait, il faut que nous, Bissot, le roi, nous, ça, tout ça, nous, tout, mais expliquer, Batou. Malin, va comprendre, surtout communauté congolaise, va comprendre la crypto-monnaie, les amis, et puis, l'opportunité, nini, eux, ils ont coupé ça à Bissot. Qu'on peut s'amener la bisou, tout ça là, tout ça a un pas d'avance sur d'autres communautés. Alors, crypto-monnaie, bitcoin, ma monnaie, ils aiment bien, bitcoin, ils aiment bien, bitcoin, Ethereum, ils aiment bien, bitcoin. Alors, pour la petite histoire, tout a commencé en 2008, lors de la crise de subprime, crise mondiale. Effectivement. Dans la crise de Salami, il y a quelqu'un dont jusqu'à présent on ignore l'identité, la vraie identité,
mais pseudonyme Nezali Satoshi Nakamoto. Oui. Satoshi Nakamoto, il a imaginé, il s'est posé une question, il dit, bon voilà, ma crise Oyo, et ça la barre en abattre. C'est-à-dire, comme ce sont les gens qui gèrent, Bazara Moutaro provoquer crise pour notre intérêt personnel, Moutaro provoquer guerre pour notre intérêt personnel. Comme ça arrive voilà. Souvent. Alors, maintenant, ma crise est provoquée par Abattu. N'est-il pas possible, Bissomoro, tous en amour au Abisso, ou Bissomoro, population toujours gérée, sans que l'État ait à intervenir. C'est comme ça qu'il a pensé. A commis au Abinaka livre blanc, il y a Bitcoin, en 2008. Okay. Dans le mois de septembre 2019, pardon, 2009, Bitcoin, blockchain et Bitcoin a lancé. Alors, blockchain est un ami. Il faut comprendre moi-même qui est blockchain. Blockchain est une technologie, par définition, blockchain est une technologie de stockage et de diffusion d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centraux de contrôle. Dit comme ça en français, ça paraît compliqué. Mais elle n'a rien à c'est-à-dire que les technologies sont les salamas, sans qu'ils ne soient contrôlés. Même les oyo a initié la technologie, il y a un bateau qui voilà, je vais stopper, moi je vais sauter. Ton ami. Parce que ceux qui continuent à blockchain, contrôle est sauté. Même ils vont perdre le contrôle. Parce que ceux, imagine-toi, ceux qui ont rien à contrôler, ils vont manipuler les choses. Forcément. Alors tu changes le tout. Voilà, on se détourne la limite. Il y a même ils vont perdre le contrôle. Tant que Satoshi Nakamoto a l'ensemble, il faut mettre les côtés dans la publique, il faut mettre les récupérer en haut, les développements se sont faits, créer la plateforme pour que se crée et belé. On a justement, comme ça, on a Bitcoin. Alors, Bitcoin, c'est la première monnaie, c'est la crypto-monnaie. On a lancé Bitcoin, à l'époque, en 2010, Bitcoin, il y a un Bitcoin, c'était 10 centimes dans le valet. Après, il y a 34 centimes. Et j'ai évolué. En fait, tant que Bini, les gens n'ont pas besoin de monter. Ça, alors, d'autres personnes se disaient, bon, je peux le prendre pour m'acheter des cigarettes, je peux le prendre pour me payer. Donc, moi, on a toujours l'angle à mouquer. Après, comme première offre, la demande. Puisqu'il y a demande, offre paye. Ils ont tombé. Voilà. Alors, demandez-les, nous avons valé. Tiens, les autres communes, presque 50 000 euros. Un bitcoin est à 47 328 euros et 46 centimes pour la batouille à euros. Ouais. Et justement, à travers ça. Alors, ils ont un bon mot, Melkate, ça. Ou, nous t'en simbaté. Oui. Nabat, comme tu as dit, c'était Nabatou, Boban, Guita, Moussous, il y a déjà carte bleue, et Boban, c'est une solution, normalement, on a la mis sous terre. Au-delà de ça, en un mot simple, à quoi ça va servir réellement? À quoi ça peut servir dans le monde? Parce que si j'ai envie d'acheter quelque chose, selon le salaire, et continue à compter. Selon comme on a bien ici, ou bien là-bas, qu'on paye, d'abord, on a Paris, tout ça là, comme nous. Voilà, tout ça, là, nous, dans le milieu, dans le milieu occidental, pour la côté qui est affrété. Maintenant, à quoi peut servir le monde? Si quoi, à Banda, pour ça, c'est la Bitcoin, ou bien, il y a pour ça, c'est la monnaie, la Bitcoin, pour ça, c'est habituellement. Voilà. Non, en fait, premièrement, il y a rapidité. Ok. Il y a rapidité, le mieux, tout ça, là, d'ailleurs. Sur la vie, Ingrid, on peut s'en arriver là où, passer à virement, et on se voit entre 2 à 5 jours. Sur la week-end, la seule virement, vendredi, on se voit mon amour au mercredi. Mais si tu es vraiment dans l'urgence, même qui est même mieux, tu me t'en recouvres. Mais la Bitcoin, quand on envoie l'argent, et on se voit de 10 à 10 minutes, mon commis. On se voit mon amour à saler. Déjà, ça. Deuxièmement, Zaké, celui qui a la Bitcoin, ça reste virtuel, ça sécurisé. C'est-à-dire que n'a pas obligé de n'a pas ou bien tant que tu as eu la COVID, tu as bougé, tu as eu le confinement. Mais dans le confinement, on pouvait facilement s'envoyer de l'argent. Mais si tu as par exemple, le groupe d'investisseurs dans la crypto-monnaie, on s'envoyait de l'argent comme ça, la Bitcoin. Et puis avec presque zéro frais, tu as eu de l'amour. Donc c'est ça l'importance dans l'amour. Si vous avez eu au moins, dimension économique et le Tesla, lui qui ressemble à la voiture Tesla, la voiture électrique, et ça entre 100 à 200 000 euros, ressemble à la Bitcoin. Ressemble à Tesla, la Bitcoin. Sans au moment où on a eu, ou qui a la continuité, ou qui a eu, ben il va livrer Tesla, Bosanda. Mais Kadessa, comment une personne peut aujourd'hui obtenir, tu nous dis, un Bitcoin est à 47, tout en dollars, presque 50 000 dollars, 50 000 dollars. Comment une personne peut acquérir un Bitcoin? Comment on fait pour. Comment on t'appose ça là pour que. À comment on a eu, même à ta moko? On a vu surtout qui monte à 50 000 dollars, moko. Batibalengi. Bon, en fait, au moins, il y a un motivé, il y a un expliqué, je me dis, j'ai raté de devenir millionnaire.
j'ai raté. C'est qu'il y a trop tard. Ouais, en fait, c'est pas trop tard. J'ai raté, mais je l'ai chanté de me rattraper. Pourquoi j'ai dit j'ai raté? Parce que Naïma et Bitcoin, il y a longtemps, là-bas, 2010, j'étais au courant à Bitcoin. Alors, j'ai fait des calculs simples. Si en 2009, j'avais pris 100 euros, la somme de Bitcoin, la fin du cerveau, les lots de gaz à la millionnaire. Pas à 2 millions, 3 millions, au-delà de 50 millions. Zouara, il a reçu 10 centimes, 10 ans après, au triangle, on a 50 000 dollars. Investissement. Voilà. Alors, pourquoi on a raté qu'il y a un non. Si tu as raté, sauté. Les lots, c'est impossible. Bon, tout le monde a un bon révélé, on somme un Bitcoin, mais on a une somme de Bitcoin, déjà, tu as combien de 1800. Parce que les premiers années qu'on barre là, il y a combien de 300 euros, on a bu à 300 euros, j'ai belé. Et comme il y a 600 euros, on a bu à 600 euros, on a son matin. Et comme on a 1800, on a bu, non, il faudrait que j'achète quand même. Parce que j'ai évolué. On a son matin Bitcoin, on a 1800. Et Mati, et comme Mati, on a 4 ou 5 000, on a Tegaré. On a Tegaré parce que j'avais besoin d'argent. Et puis Mati, et comme il y a 19 000, et Kiti, on a 6 000, il m'a dit qu'on 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 le roi tu raté que là les lots ils ont pas forcément Bitcoin tu reçois ma monnaie monsieur Zali ébélé. Et là je vais dans l'observatoire la communauté une technique les lots comment tu peux te préparer il y a encore un millionnaire lobby et ça c'est ça secreté non partagé dans la communauté là bas en fait les lots avec crypto monnaie monsieur Ekuzara ils ont 0,00001 sur son bien net tel que Win tu vois monsieur comme le Kin net Kinshasa Kin sur son bien les lots. Les lots à la valeur, c'est à 0,00 au bon bien. 5, 10 ans après, et comme il y a une crypto-monnaie, on est comme il y a 1 euro. Ça se met dans 1 million. Tu deviens millionnaire. Donc il y a un besoin facile à comme un millionnaire. Question de la patience. Et puis, ils ont la catégorie de la chose qui est banque à la trading. Bon, trading, c'est un autre métier. Là, il faut apprendre, il faut. On va faire un métier. Bon, on va voir, on va faire à son oui, il revend, il revend. Voilà. Mais sur le LinkedIn, comment millionnaire d'une manière passive, c'est simple, tu achètes des pépites, des crypto-monnaies, où on est des valeurs alimentées, ou bon bien, ou c'est sous la chance, bingo. Alors, sous la chance, c'est la phrase que j'ai mis, c'est que ceux qui ont la chance, bingo, c'est que sous la chance, t'es. Mais perplexe suite au jeu du hasard. Toi, écoute, ma femme mobile est inutile, d'ailleurs, maintenant là, je passe au côté Afrique, tu connais là, il va déjà bingo, la table en canne. Tu connais, ah, on a my god, et saisir la kisha, ça a l'air, on a pas mal Covid. My god, bah, ouais, belé, bah, soit qui est bandeli, mais après, bah, mon canne, jusqu'aujourd'hui, maintenant, société fermée. Ouais. Tout ça, pourquoi? Parce que, on joue avec un peu la fiscalité, on joue avec tout ça. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Quelle est la législation mise au sujet de ta crypto-monnaie? En fait, pour nous, on a beaucoup d'invité, vous faites l'assurance. Ouais. En fait, au moment déjà, pour la journée, je suis en train de me faire un peu de temps. Il y a une bonne exception, il y a beaucoup, beaucoup de business en ligne qui payent. Moi, je suis pratiquement dans 8 business en ligne qui payent. Et puis, qui sont sérieux, et puis, ils ont la garantie. Il y a des assurances derrière. Bah, tu vois, on n'est pas invité. Donc, tu vas contacter en particulier, on va expliquer dans le monde. Bien sûr. Alors, parce que, au moment. Tant que bindo, ça au bien là, système y a Ponzi, donc au zimbo la batu et bien au foot et ainsi de suite. Tant que my god est et ça y a bon. Moi j'étais contre my god grève. Pour vous dire vrai, il y a à partir à la côté de my god grève et puis n'importe qui bon la my god grève. Comment faire? En fait, il y a d'autres business. Quand tu es rodé, rodé la business on a vu au niveau en tout cas et ça là 6 mois, dans 6 mois au calme. Donc ça dit la bandit, la tienne bien, la bénie on a la bénéfice, la bénie est là. Ouais, ça a beaucoup plus de risques. Okay. Ça, je ne conseille pas aux gens de le faire. Mais par contre, ils ont un business pour les gens, ils ont un business plan en haut, ils ont un kinder pour longtemps. Quand on est dans le banc à partir à Bindo, les autres, si tu es aussi motivé, non, on a un business, on a pas un tout, à Rupsabi, ah, on a un Bindo, mais là, on a 1900, avec tout le monde, 1900, c'est pas le monde de l'économie. C'est clair. Au moment où my god bref voilà je condamne Batoua Saïka on a Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'était pas Barossa la remonté. J'étais étonné. Montalier la monnaie sans qu'on puisse avoir formation, sans qu'on puisse avoir une notion, sans qu'on explique crypto-monnaies à Nini et machin de Nini. Maman m'a passé monnaie à Pessi, Babus au Pessi, les amitiés par toi, à Pessi, à Pessi, nous convaincre. C'est autant reconnu parce que j'ai suivi, mais comme il va aussi avancer la migration, comme my god bref et comme my crypto, bah, sa migration. Et bah maman là bah il doit s'arrêter et puis malheureusement compagnon avec la liberté et kalaki donc ça pose des problèmes non problème alors et là où y éviter je conseille à mes compatriotes yékola le quoi yéba avant tchambo on a eu vous allez toujours prudent y éviter y écoli après tchambo on a
Et puis, un conseil gratuit n'est bon risque de tirer un bon aux êtes capable de reperdre. Donc, ne mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Pour me dire, tu as un peu de temps. Ça, c'est dangereux. Est-ce que l'Afrique est prête pour ce genre de. Pour la crypto-monnaie réellement à aujourd'hui, selon. Tout ça, c'est un peu de temps. Est-ce qu'ils sont prêts selon eux pour la. Je vais vous donner un exemple. Il y a un peu très récent. En fait, mais crypto-monnaie n'a rien à voir avec ma business. Crypto-monnaie, ils ont un bon. Mais le code rêve, ils ont dit, ma compagnie, ils ont un business et ils ont créé autour d'un bon. Voilà. Okay. Donc, ma code rêve, a dit que Bitcoin car un moyen de paiement. Justement, moyen de paiement. Et pour répondre à ta question, l'Afrique est plus que prête à la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que, au début, en Afrique, beaucoup de personnes ont un compte bancaire. Tellement, d'ailleurs, la plupart. Voilà, ils ont un compte bancaire. Alors, crypto-monnaie et puis sur une banque dans le téléphone. Donc, j'ai mes crypto-monnaies qui sont sur mon téléphone. C'est-à-dire que je fais des échanges comme je veux. Je vais à mon moment, et puis sur le téléphone, je prends un autre téléphone. Dans ma compte, donc, et ça, vraiment très très bien, surtout pour nous, les Africains. Sachez les que, si vous avez un euro, on ne peut pas aller au-delà. La compte à la banque. Mais qu'est-ce que ça? Comment faire pour acquérir des bits? Comment faire pour en acquérir? Système à noter, il t'écoute pour la première fois. Toi, quand on est tout le monde à la publicité, à la téléphone, à la réseaux sociaux, maintenant, il a l'occasion de t'écouter. Comment faire pour En fait, Ezali, simple bateau, dans cette émission, un collègue, Marius Munga, que je salue en passant. La seule mission à Marius, après, Babenga, il y a Israël, l'Égypte, Moussouna, Burundi, le Kenya, Babenga, l'Ukraine, de partout, l'Europe, les États-Unis, France, Babenga, il y a posé la question. Alors, Dieu merci, je puis aider plus de 10 personnes. D'accord. N'expliquez pas, simple à distance. C'est simple. Au Bani, il peut télécharger une application. Application, on a recommandé Batouzali, crypto.com. Donc, Batou, dans la mission, où on a coordonné. Bon, donc, ok, télécharger l'application. Rien que le gros à la promotion, ok, télécharger l'application, compagnie a payé sur $25 en crypto-monnaie. Malheureusement, et marché est dans le Congo. Parce que là, c'est avec des passeports congolais, ça ne marche pas. Ça marche avec le passeport européen et américain. Donc, on a payé sur $25 en crypto-monnaie. Après, on va nous au dans un téléphone là-bas. Parce qu'il n'y a pas que crypto et bitcoin. Ils ont Ethereum et Zali, ils ont ADA, ils ont Harmonie, ils ont Mobile, ils ont King, ils ont Mobile. Alors, derrière chaque Mobile, il y a une chose. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a une technologie qui est derrière. Donc, crypto-monnaie pose la valeur. Tout le monde a créé crypto-monnaie. Tout le monde peut créer maintenant. Tout le monde peut créer crypto-monnaie. Mais si vous importez, n'est pas ni d'abord sur crypto-monnaie. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. C'est ça. Donc, derrière chaque crypto-monnaie, il y a une technologie, il y a un service. Au d'abord, qui n'est pas sur la crypto-monnaie, on a pour utiliser le service. Ah, ok, d'accord. Et par exemple, il y a une technologie, ça se met, mes amis. On a la crypto-monnaie. On a créé crypto-monnaie. J'ai une vingtaine de crypto-monnaies. Une vingtaine de téléphones. J'ai une vingtaine de crypto-monnaies. Une vingtaine. Ça dit quoi? Voilà. Donc là, Là, par exemple, là, tout, ce sont mes monnaies. Algorand, Ripple, tout ça. En fait, il y a toute une listing de plusieurs crypto-monnaies. De plusieurs crypto-monnaies afin. Bon, en fait, c'est un peu comme si j'ai du trading. Je peux le vendre tout de suite dans la tête qui n'a pas la carte bancaire qui récupère la distributeur. Et comment intervient. Alors, l'explication peut-être qui va nous aider des blockchains. On dit que c'est la technologie qui fabrique, finalement Bitcoin. C'est la technologie qui est utilisée pendant Bitcoin, oui. Pas seulement. En fait, blockchain est ça vaste. C'est très vaste la blockchain. Et qu'est-ce que ça peut apporter? Et quoi, même un mini, un plus, la vie à mon vie. Voilà. Blockchain, c'est limité à la monnaie. Ok. Non, plus exemple, on va bien avoir un smart contract. Mon temps au Bitcoin est, il y a 2009, Bitcoin est, il y a 2015, Ethereum est.
Ethereum, garçon, jeune garçon, on a comme Vitalik, Azali, canadien d'origine russe, il a pensé à lui, non, avec technologie, c'est super. On peut l'utiliser au-delà de la monnaie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Ethereum. Ethereum, non, monnaie, dans l'autre, on a nommé Ether. Il a créé blockchain d'Ether, Ethereum, monnaie Ether. Maintenant, à l'objet, tout ça, on a smart contrat. Smart contrat, c'est-à-dire contrat intelligent. C'est-à-dire quoi? On a pris un exemple pratique. Ça a marché avec AXA. AXA, c'est un programme comme on a nommé FISI. Programme, on a équipé, on a souscrit à l'assurance à avion, assurance à voyage, sans papier. C'est-à-dire pas, en passant par le blockchain. C'est-à-dire qu'il aux vols, on a Paris, Kinshasa. Aujourd'hui, assurance, on a FISI. Au foutu, on a eu. C'est un algorithme, on va continuer à faire la blockchain. On va expliquer la blockchain, sur les côtés, on va modifier en dessous. Par exemple, que vol haut sur les communes en retard, il y a une indemnité 100 euros, par exemple. Basuit, contrat va tirer la blockchain. Maintenant, il y a un avion. Quand on quitte et que vol est en retard, on quitte le téléphone, on va déjà indemnisé. Sans faire aucune démarche. Okay. Pourquoi? Parce que. Un peu comme une base de données, quoi. Alors, moi, Bombi, va donner mieux sur toi, concentrer va donner. Oui, ça veut dire que contrôle, là, ils ont lié la tour de contrôle. Tour de contrôle, ils ont vérifié. Ceux qui volent, là, ils ont volé 286, tant que moi, là, qui volent 286 en retard, et moi, que Ingrid a souscrit à qui contrat, là, ma mort, il a dit qu'il s'est éjecté. Ok. Ils ont indemnisé. Voilà. Donc, blockchain est capable d'être, de représenter une assurance, de représenter dans le domaine de la santé. En fait, ce sont tous ces domaines qui nous permettent aujourd'hui, et on met tout là, une question. Pourquoi, si tu nous expliques que la crypto-monnaie est un moyen de permettre à beaucoup, Bakouman, Mbongo et Béné, tu as dit que Bamboka, Omni, ils ont utilisé un mot, ils ont dit plus Chine, ils ont Turquie, ils ont même la Pérou, ce qui m'avait d'ailleurs étonné, mais les Français, la soumission aux amis, les mots, n'utilisent qu'à 6%. La population au monde aux amis n'utilise qu'à 6% ça. Pourquoi? En fait, selon l'analyse, non. Oui, mentalité bah, français, exactement, parce que exactement la mentalité à Bissaba Congolais. C'est-à-dire que français, il pose beaucoup de questions. Pourquoi? Comment simplement c'est ça. Possible? Comment c'est possible? Tout ça. Moi, je suis anglo-saxon, je suis un business, si tu as dit que tu as 6%, et comme tu dis, parce que tu as 2-3%. Mais les Américains sont tellement avancés, les Anglo-Saxons sont avancés, ceux qui ont dit que tu as fait un bon avancé. Bitcoin, dans le Bandaki, le français est mouqué. Sauf qu'il avait un club à Paris, les jeunes sont rebousculés, Mais les loyaux, si tu as en Afrique, l'autre au Sahara, sur le en Afrique, il y a même la Kenya. Les alliés blockchain de côté de Makas, il y a des gens, des jeunes qui font des minages. Donc, c'est plutôt minage, c'est un minage. Ils ont miné Bitcoin. Okay. La Kenya. Comme miner Bitcoin, ça dit que c'est bien. Comme miner Bitcoin, les abois. Au moins, Bitcoin, qu'on valide, ils ont rendu les mines. Et là, si on a une information, on n'est pas dans le Kenya, pas dans le monde. On a une information, on a un réseau. On a un réseau, information, ils allaient encapsuler ça, et bah, quand tu as ta boîte, boîte, on a, et comme la réseau va valider, ok. Mon tour a validé boîte, on a validé à cette date, on a validé en haut, bah, on peut ça y est, et bah, on a 50 bitcoins à l'époque. Donc, 50 bitcoins chaque 4 ans, il est réduit par 2. Alors, bah, on a 50, bah, c'est 50 bitcoins à l'époque. Après, il est commis 25, 12 et demi, si vous commis 6,75. Bah, après ça y est. C'est le temps, bah, pêche sur le pour valider, ou créer monnaie, ou créer bitcoin. C'est ça la création de monnaie. D'accord. Créer Bitcoin. Mais bien, en anglais, proof of work. Donc, dans la preuve, il y a ça le salut. Et créer monnaie. Voilà. Mais Bitcoin est allé limité. C'est un peu comme de l'or. Au moins, or, mais quand tu imagines, tant que tu arrives à l'empire, bah, tu sais, or bien diamant, si on est ok dans un mouvement, dans un maille, au moins, on a un diamant. On a un diamant. C'était bien un peu ça. Mais au lieu que diamant, bien or, est allé dans la quantité limitée. C'est ça limité. Alors, Bitcoin peut être limité. Mais Bandeli, qui va valider bloc, va payer 50 Bitcoin, ça ne valait rien. Mais plus va voir comme un belé. Plus va trouver un belé, ils ont comme un rare, plus ma chair. Forcément, ça prend de la valeur. De la valeur. Diamant comme or, mais Bandeli, la ruée vers l'or, et tout le monde va voir qu'il va en bas de l'or. Mais plus va voir un belé, et plus valeur est matière.
c'est ça Bitcoin. Maintenant, les gens sont derrière Batmajor et Belly, ils ont marketé comme il y a 50 000. Et les spécialistes disent que tu n'as fait de l'année que comme il y a 100 000 euros. C'est-à-dire que quand Tekokoma a un Bitcoin, par exemple, à 100 000 euros, vous vous retrouvez dans ce business? Ah oui, je me retrouve parce que moi, je me prépare pour. Je me prépare pour, c'est-à-dire quoi? Mais j'ai déjà seulement un Bitcoin. Si tu as pas de moyen, on se met 0,000. Tu as commis 100 000, tu as 0,001, tu as 1000 euros. Déjà. 1000 euros, oui, ouais, déjà. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas qu'il soit mis un Bitcoin de 50 000, tu as pas de moyen, non, non, non. Quand tu as un Bitcoin de 0, j'encourage les gens. 0,000. Mais, question, et nous, ça, je vais vous accepter. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que si vous êtes mort en Bitcoin, vous allez gagner, mais risque à perdre de vous qui. Mais vous chitez. Et vous chitez, et mati, et chitez, et mati. C'est là où les traders se retrouvent. Vous allez chiter à Sombi, et comme il dit, à Teki, ainsi de suite. Mais c'est comme la bourse. Si vous chitez à la défense, vous allez avoir un minimum du domaine. Et la loi offre la demande. Plus il y a des gens qui détiennent la demande, et du valeur. Moins de gens demandent. En fait, maintenant, le marché les a manipulés beaucoup plus dans le Bambou et Bélé. D'après ce exemple, il n'y a pas si longtemps, Elon Musk, patron de Tesla, n'a payé pas. Azwaki a acheté 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Il a acheté pour 1,5 milliard. Et Mati court à Bitcoin dans 8%. Le même jour, dans 8%. Et Mati. Bon, imaginez maintenant, cela a vu à Teki, même montant. Et au chité, de 8% au plus. Donc c'est ça. Donc les gens peuvent manipuler avec Balambo et Bélé. C'est loi marché, offre, demande. Plus il y a demande, prix augmente. Plus il y a la demande et plus le prix augmente. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous cet extrait et on se retrouve juste après pour clore cette émission. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux, avec des chambres de luxe, des appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Gemena numéro 3. Cordial bienvenue. Que vous avez été satisfait, et d'ailleurs cette émission avec Mercaté ça se poursuit toujours, puisque quand on nous parle d'argent, ce qu'on dit, c'est que les places de gagner bon aux un amendement calcul, mais finalement ça se clarifie dans ma explication aux autres. Tesla Bissot qui gère les bitcoins, là il y a Gérard Babilo Kwana et ça la présidente Amour, comment ça se passe? Ok, donc na, au moment la carte à définition lobby technologie de stockage et de diffusion d'informations transparente, fonctionnant sans organe central de contrôle. Donc, Moukazate. Donc, l'État, il y a vraiment l'État qui a la difficulté. L'État a rebattu le lot de Kangi Bitcoin. C'est pas possible. Ouais. Tout ce qui a rebattu le lot, n'a pas permis que ma transaction soit rebattée, n'a pas raison d'abissot. C'est possible, mais au Kangi Bitcoin, c'est pas possible. Moukazirango, Azate, chef à Bitcoin, Azate. Donc, Moukazate, on a créé une compagnie d'ailleurs, et on a eu le lot de c'est un mauvais exemple. Et ça, c'est le local à créer compagnie d'ailleurs, utiliser Bitcoin comme moyen de paiement. Bitcoin et les autres crypto-monnaies comme moyen de paiement, c'est tout. Mais bah, moyen de paiement, c'est tout. Bah, quand ils ont vie, hein. Il y a les réseaux déjà comme Visa, Mastercard. Ouais. C'est comme ça, ça s'utilise. En fait, quand on a l'intran, la bino, est-ce que je peux aujourd'hui me dire, j'ai envie d'aller acheter mon pain dans ma Bitcoin, hein? Oh, oui, c'est pas encore arrivé. Maintenant, dans Paris, oui, dans Paris, on met la café. Il y a des cafés où tu vois, tu paies avec Bitcoin. Et bah, il y a un même. Tant que tu vas sur mon temps, bah, tu es QR code. Tu as code aujourd'hui que le téléphone est scanné, tout ici au fin de paiement. Ok. Donc tu peux payer la Bitcoin aujourd'hui, tu peux recevoir l'argent Bitcoin sans aucun problème. Pourquoi souhaitez-vous encourager les gens? Pourquoi souhaitez-vous, il y a qu'au Tindika Congolais, qu'au Poussé Congolais, qu'au Poussé Communauté Nayo, et qu'au Tana
la crypto-monnaie? En fait, là, Nansa l'a appelé la pensée à Joseph Schumpeter. Mm. Alors, lorsqu'une nouvelle technologie arrive, Salamine est Koufaka. Mais écrit à la rapide Mingi. Imagine-toi, la banée Oyo, moteur à voiture à quitter, tant ça va chez vous, tant la voiture est. Il y a des voitures créées. N'en parlons pas, raison pour laquelle nous avons la communauté dans les armes à poussé, il y a un peu de temps pour nous expliquer comment investir prudemment, comment gagner un bon mot prudemment. Alors, les loyaux, nous avons investir dans la crypto-monnaie, dans le bitcoin, pour le moment, je vous dis, pas pour le moment. Ils allaient dans l'état, les loyaux, sont allés dans la déclaration d'impôt. Oui, ils allaient dégager un peu. Donc, l'État intégral. Il y a des banques qui utilisent des crypto-monnaies, banques net et crédit agricole. Bateau à travers les travailleurs interfrontaliers, dans la France, à travers la Suisse. France-Suisse contre l'euro. Comment crypto-monnaie à Ripple? Après, on a à convertir en amour à l'initiative France-Suisse ou bien Héros. Voilà. Donc, ils ont leur barraté, ils ont leur fond, ils ont mis, après, quand on a mis le dos, on a tout arrêté ma stratégie pour abuser le nios. Toi, on a la laisse, la technologie. Donc, c'est plutôt un geste patriotique. Oui, vraiment, c'est patriotique. C'est patriotique. Raison pour laquelle il y avait une personne à Belenga, à Tuninga, il m'a expliqué tout. À Tuninga, en fait, toi, tu gagnes quoi? Vous gagnez. Il y a une qui m'a appelé hier, car on a crypto monnaie Sombaki, a investi 1400, 1600, a eu déjà 600 euros. Et la dame s'appelle Jojo, je pense que c'est le truc. Namon a été naïvité. Dans ce qui est une vidéoconférence, Namon a expliqué Bango, investir. C'est pas que ils ont jeté, qu'ils ont investi, on fout dans la compagnie. Ils ont dit, là, au début de temps, ils ont ce que vous dites, dollars et mat. Vous avez la France, on sait. Vous avez dollars et bombi. Ce qui est mati, vous avez plus value. C'est exactement ça. Vous avez mis crypto-monnaie, au bombi, et mati, vous avez dit, vous avez plus value. Mais quand on perd, parce que nous, c'est un avantage. Quand vous appelez un inconvénient, au précisant, on est que Misaka et le Koyibi qui se perdent au Nélaté. Bon. Donc, seul risque, à part dans les âmes, c'est peut-être que tu as trop investi. Donc, il y a des choses comme ça, mais il y a pour la côté, ça n'a qu'à ta crypto-monnaie. À partir de combien de temps, tu as pas au monde à la fruit, non? En fait, là, je vous dis, crypto-monnaie, ils ont jeté. Il y a des choses bon. À partir de combien de fruits, question là, c'est-à-dire, à partir même, il y a deux minutes, combien de fruits. Dans ça, on a son action pour témoigner dans l'aïe. Au moins, les noms, on témoigner, mort haut, car on a journal les noms. Il y a des crypto-monnaies qui ont fait des pourcentages. Si on a coté la crypto-monnaie, on a porté la monnaie dans la voile. Ah, voilà. Voilà. Au moment, la crypto-monnaie, oh. Attends, voilà. Oh, au moment, oh. 4 crypto-monnaies, on va concentrer le syndicat à l'élo. Plus 64%, plus 37%, plus 37% et plus 34%. Voilà. 4 crypto-monnaies, oh. Les 4, sur les moutons de l'élo, on attend à Sombaki, un de ces crypto-monnaies. À Sombaki, il y a 100 euros. Ouais, le bosso. À Sombaki, plus 64%. 64%. Donc, ça dit, les temps, oui. Le temps, on a une vingtaine de crypto-monnaies. Je vous dis, sur le vingtaine de crypto-monnaies, on a sur les crypto-monnaies, où les yeux avancent, ils ont attendu sur mort de Mbali. Sur lesquels, on a perdu à côté. Parce que si on a mis crypto-monnaies, aussi longtemps que si tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Oui, parce que ça va rebondir. Ou le mieux, sur les anneaux, on a relancé au moins la somme qu'on entend, parce qu'il y a l'historique. La somme qu'on entend, les matières qu'on entend. Si tu permets, tout le monde a tout, par exemple, la crypto-monnaie Moko. Au moins, la évolution dans l'eau. Je vais prendre l'exemple d'une crypto-monnaie qui s'appelle Olo. Non, Doge, c'est mieux Doge. Doge, voilà. T'as là, Awa. Doge, c'est une activité historique, Awa. Au moins, la historique, la Doge, la somme qui est en haut, date de la somme qui est en haut. Date de c'était le 7 février. La combien
à 184 euros. 184 euros. Alors, ce que mon livre doit être, on a perdu à l'autre date, le 16. Le 16 avril, vendu à 3 000 euros. Non, pas 3 000 euros. Vendu 3 000 dollars, n'a pas bien. 832 euros. Pardon. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? N'a sécurité. On a vu, bon, les lendemains, les 17, on a 126 dollars. Oui. N'a combien? À 795. Et aujourd'hui, j'ai combien? Il a combien? 1514. Voilà. Donc, de fait, vous voyez, jusqu'au bout de mon plus-value, plus, valide, plus de 1200 euros. Il y a plus-value. D'accord. Donc, et bon, au-delà des différences, ce qu'on va en arriver, surtout la dernière partie, ça va être surtout plus sur la tokenisation. La tokenisation, un système au final d'achat pour permettre à plusieurs personnes d'acheter et au final de se partager les dividendes. En quoi c'est favorable la tokenisation PESAMINI? Ok. Bon, en fait, tokenisation, token, en français, c'est jeton. Les amis jetons. La compagnie MINI va étudier pour lancer la levée des fonds. C'est-à-dire pour nous aider. Nous allons aider d'ailleurs. Nous allons créer entreprise. Nous allons bon. Nous allons solo. On sait aller le robin la batou et ça dans la photo il faut pas la pas comptable c'est à dire robin la batou là c'est une idée t'as là business plan là vous mais là c'est un bon bat bah il va nous contribuer dans l'année d'ailleurs vous salir business d'ailleurs et marché bah nous on peut s'apporter des bénéfices nous tout à se retrouver alors donc une chose à dire nous t'as imaginé avec nous là on a créé compagnie et ça là et le ressemble mais nous avons besoin de 100 000 $ pour la bande d'ailleurs. Dans la 100 000 dollars, on a créé, on a imaginé, on a vu, on a créé un token d'une manière électronique. Le token nous a valeur de 1 dollar. Donc chaque mouton a contribué à ce token à 1 dollar. Et alors on a pu signer 1 dollar dans le business. Si on a vu 100 000 personnes, ou bien même 10 000 personnes, parce que nous avons dit, on a conçu 100 000 dans le business. Et bien nous pouvons produire, nous tourner. À chaque fois, on a eu bénéfice, on a vu bénéficier dans le cas de la loi, on a battu en fonction, on a battu euro, parce que le token, si on a 100, tu n'as besoin il y a 1 euro, vous avez 100 euros, vous avez 1000, vous avez 1000 euros. Après maintenant, token on a comme la valeur, vous avez action, Donc, on s'est échangé la token, on t'a que la moto, on t'a pêché au bon aussi, et comme il y a des tâtes au carbone, dividende, prochainement bénéfice, hier vous avez sommé pas nos arrosoirs mini parce qu'à vous, le token est bien. Donc, ils ont les moyens, eux, bah, tu auras, pour nous récupérer, bon mot, parce qu'à la levée des fonds, pour nous lancer une compagnie ou bien un business seul. Donc, on peut devenir déjà propriétaire puisque vous nous avez donné un exemple en aparté d'un immeuble qui a été acheté et au final qui se retrouve avec plusieurs investisseurs, propriétaires. Oui, oui. En fait, dans l'immobilier, et ça, la maquille, en 2019 déjà, bon, ici en France, hein, première banque immobilière, ça, en 2019, on a acquis, ça a été un hôtel dans Boulogne-Billancourt, hôtel dans Wassoumi, on a 1,6 million d'euros. Alors, tokeniser. Parce qu'on a 1 million de tokens. Donc, token, moi, j'en ai 6,50 €. Donc, nous, on a 13 euros. Avant de devenir, avant de vendre, avant comme propriétaire, il y a une partie hôtel. Voilà. Nous, on a 650 euros. Donc, on a token, moi, on a 6,50 €. Assumé 100 parts. Assumé 100 tokens. Donc, à chaque fois que je bénéficie de côté, on a un dividende. À cause en fonction au prorata, on a 1 euro, on a token, moi, j'en ai. C'est ça la crypto-monnaie. Ok, d'accord. Mais où est-ce qu'on peut vendre ça par exemple? Sur la Singapour, place. Ils ont la plateforme Ebele. Les bateaux rentrent à Paris, ils ont le deuxième arrondissement, déjà dans la maison de Bitcoin. Sur le site internet, maison de Bitcoin, où on a au Kende, dans la Bitcoin, au Téko Zimbong. Ok. Mais c'est au Kende, au Bougeté, car à l'internet, au côté de la plateforme, ils ont Ebele, Binance, Kraken, Crypto.com, ils ont vraiment Ebele. D'accord. Au Téko Zimbong, au Téki. Ma crypto-monnaie, là, au tiers on a carte bancaire, auquel est distributeur, au Bédimbo, là. Sans problème. Tranquille, bitumbaté. Sans problème, tranquille, bitumbaté. Même qu'à ça. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Je pense qu'avec ma explication, mieux, surtout au PCBISO, on a pu mieux comprendre et surtout plus s'informer. Au lieu de dire qu'ils ont bon et qui. Sauf qu'aux analyses de Bamo, il y a surtout qu'on a motivé la Toubota la Bisso, pour motiver le peuple, là, il y a avoir de la diaspora, mais aussi l'Africain, de ce Bamota, là, au final, ils peuvent toujours se retrouver. Comment? Ton dernier mot, on écoute. En fait, le mandat de Goranda,
nous savons que le blockchain est tout ça la face dans tout bas en côté parce que ça n'a pas de technologie. Au moins, tant internet il y a qui nous sommes pas avec internet, le mieux internet est comme incontournable. Compagnie morte, banque morte, ça va fonctionner sans internet. Donc, le mieux internet est comme partout. Nous n'avons pas blockchain qui est bandi. Donc, et comme partout, vouloir ou pas, il y a deux possibilités. Soit on vend aux élites comme subir, soit aux acteurs, aux yeux les défendre et pour profiter de la technologie usuelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous des produits. Nous sommes des produits. Bon, t'es grave, sur Facebook, pour intégrer. Et donc, t'es un milliard. C'est-à-dire que tant que internet, au moins, tant que donné la compagnie, nous sommes la compagnie par là. On recevra ma mail. Nous sommes des produits. Alors, tous, c'est un produit intelligent. Nous avons produit, mais nous avons profité de ce produit dans l'année, ça fait mort. Donc, nous avons conseillé, bien, beaucoup de la technologie, mais d'une manière intelligente. C'est-à-dire quoi? Qu'on respecte, côté à ne pas monter, pour que nous avons un monde, non, non. Donc, chacun a un monde où nous allons prêter à risquer. Oui, bon, là, nous avons risqué dans la solitude sans. À tel que c'est pas grave, on tient sans là-haut. Mais je suis sûr, là, ça fait 3 à 4 ans dans un cadre de crypto-monnaie, il n'y a pas de souci, donc on a tourné sans problème. Nous avons pensé sur pareil qu'on a vu. Et pour les conférences, si peut-être nous t'avons précisé qu'il est banni, il faut qu'on s'informe. Ouais. Comment les gens peuvent s'informer? Pourquoi vous ne proposez pas la conférence ou, cause à la, ou même des conférences web télévisées? Les notes aussi, l'émission, oui, bien sûr. Mais les choses qui peuvent être plus poussées peuvent permettre de vraiment suivre une procédure et à quoi qu'on se retrouve encore plus facilement, surtout ceux qui sont novices. Voilà. Dans le sens, on a un site internet, ils ont lancé Lobby, je pense. Ils ont lancé Lobby, ils ont dit www.pantoto.online. www.pantoto.online. Na situation de l'empêche à la conférence de la Kati, l'explication de la business où il y a risqué, parce que plus on a risqué, plus on gagne. Ma business où il y a sans risque, l'empêche à conseil gratuit, comment investir sans problème, sans risque et petit à petit, et comment pour créer un portefeuille avec crypto-monnaie. Donc, conseil de ce Zalamana. Mais Bato Balingi m'a expliqué en privé, on contacté dans le numéro WhatsApp on a expliqué gratuitement, on peut seulement aider, trouver, échanger, comment trouver de folie ensemble dans la technologie Ouassika. Alors, pour nous qui sommes surtout de la télévision, on va plus privilégier bien évidemment le site online que ce soit. Donc, c'est surtout ça le plus important à retenir, que la crypto-monnaie existe, que ce n'est pas une arnaque, que pour pouvoir bien évidemment l'utiliser, il faut s'informer, comme dans toute chose d'ailleurs, et cela permettra un meilleur. Si peut-être vous avez un mot au président africain en général, ou alors pour leur dire que ça existe, peut-être ils vous regardent, d'autres ne sont pas forcément informés, qu'est-ce que vous direz? En fait, j'étais très content déjà. Je suis le gouverneur de la Congo. Je suis professeur, directeur du cabinet président. Et Béran a commis ministre du numérique. Voilà. Donc, ça veut tout dire. En fait, ministre du numérique, peut-être que je suis le ministère de Moro va pécher pour la carabine, je vais m'occuper. Non, non. Numérique, parce que tout doit être numérisé. Mieux se faire numériser. Parce que on ne peut plus gérer comme dans l'ancien temps. Donc tout numériser. Alors nous avons encouragé le ministère, je pense que nous en avons qui nous ça bientôt. Nous avons un projet de l'année numérique, tout présenté. Ce que nous avons organisé, voilà. La conférence, c'est ça la marque, organisé par colloque, par Nini, de façon à comprendre le numérique jusqu'où ça peut aller. Parce que j'ai un certain nombre de projets numériques, autrement, de façon à aider. Je ne parle pas d'Afrique, déjà je parle de Congo. D'accord. Dans moi, un caractère égoïste, donc Congo d'abord, et depuis surtout que les libos, surtout rattraper, comme Kenya et Nigeria. Voilà. Mes chers téléspectateurs, vous êtes sur Komo Télévision que vous retrouverez à 20h et le mardi à 12h. Vous êtes aussi sur une grille de Kabongo TV. Merci de continuer à vous abonner. Il vous a donné son site online où vous pourrez suivre certaines conférences, mais aussi de meilleures explications et de plus amples explications afin que vous ayez une meilleure compréhension. Tosepeli Mingi Kozalana Bino. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici avec Mel Katessa et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Merci.